Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Gesso Gaming pour la suite de The Order 1886. La dernière fois je vous l'ai laissé en plein milieu d'un combat parce que au niveau du temps on n'avait pas le temps de faire le combat. Et comme les chapitres se succèdent, on n'a pas trop le temps de se laisser avant et je vais pas vous laisser en plein milieu du conseil, enfin comme la dernière fois, en plein milieu du conseil. Donc voilà. Donc voilà, bah écoutez, on est reparti avec le combat, hein, comme vous voyez. Par contre, je n'ai plus de place pour me foutre. Putain. Mais ouais, mais j'irais bien me foutre à couvert, mais c'est bon. Voilà, je préfère avoir une arme que ce truc-là. Je n'aime pas ce truc qu'il propose, là. En moitié futuriste, je sais pas trop quoi. Putain, pareil. Merde. Je n'ai pas vu ces fils de pute. Ah, je les ai pas vus, c'est avancé trop vite. C'est ma faute. Nous devons atteindre la diligence de Lord Hastings. Ouais, nous devons. Chevalier, éliminez tous les rebelles qui se trouvent sur ce pont. Tireur en vue. Je préfère une arme, une vraie arme. Une belle arme. T'as la putain de recul. Rebelle neutralité. Alors ensuite. Je suis de votre côté. Je ne peux pas tirer. Il faut que je recharge. Allez, c'est bon. Là-haut, sur le tramway. Nous devons trouver un chevalier. Là-haut, sur le tramway. Mais qui c'est qui me tire dessus? Monsieur, putain, pareil, toi, tu t'es foutu là, quoi. Ah, putain, l'enculé, quoi. Grenade! Je sais pas si j'ai eu quelqu'un comme un grenade. Dans les pattes. Dans les pattes. Ah putain là. Voilà, dégage. C'est bon. Nous avons repris cette partie du pont. Vite, nous deux. Il faut faire sortir Hastings. Je vous couvre. Lucan, Ygraine. À mon signal. Sortez-le quand je lève la voiture. Bien compris. Prêt. Elle en a de la force, hein, faut pas croire. Maintenant. Allez, viens là, toi. Retournons vite au palais. Mais où vas-tu? Finir ce qu'on a commencé. La vengeance devra attendre. Ne fais pas n'importe quoi. Il y en a qui est passé. Gray, arrête. Rien à foutre. Lord Hastings est en sécurité. Quelqu'un a vu Galahad? Commandement aérien, y a-t-il des sentinelles au-dessus de nous? Messieurs Lucan, ici Sentinelle 3. On est à une lieue au nord du pont de Westminster en approche. Sentinelle 3, trouvez Messire Galahad et suivez-le à la trace. C'est entendu. Merde, on
Putain, j'ai plus de balles. Oh putain, j'ai plus de balles. Merde, non, mais non, mais non. T'es... Putain, mais... Ah, putain, putain, putain. Comme on dit, dans la merde. Allez, allez, prends ça. Allez. Voilà, c'est bon. Ça, c'est bon. Ah, des balles, c'est cool. Putain, elle est où la grenade ? Il y a la grenade. Ah, il n'y a rien. Putain. Non. Non. Allez. Enfoiré, bon, je t'en foutrais d'enfoiré. Tiens. Voilà, enfoiré, ce qu'il dit. Voilà, mon garçon. C'est pas par là. Allez. Voilà. Hé hey, vous deux, j'en veux un par ici et l'autre sur la droite. Allez, vite. Sentinelle 3, j'ai besoin de soutien aérien. Nous approchons de votre position, Monsieur Galad. Bien reçu. Chevalier droit-temps, rabattez-le! Messieurs Galad, un poste d'artillerie a été repéré au-dessus d'un tramway, à l'est de votre position. Sûrement un canon porte-à-tous. Oui. Messieurs Galad, les rebelles avancent vers vous. Ils approchent. Sentinelle 3, ne le perdez surtout pas. Oui, madame. Ah, merde. J'ai besoin de munitions. Ah, putain, salope de merde. Ah, putain. Ah, c'est pas grave, hein. Monsieur Galad, un poste d'artillerie a été repéré au-dessus d'un tramway, à l'est de votre position. Sûrement un canon porte-à-tous. Compris. Mais bouge pas comme ça, mon garçon. Voyons. Monsieur Galad, les rebelles avancent vers vous. Ils approchent. Sentinelle 3, ne le perdez surtout pas de vue. Oui, madame. Putain, non, forêt de merde. Putain. Oh putain, oh putain. Non, mais là, c'était juste abusé, quoi. En gros, les mecs, ils se cachent. Voilà, c'est un jeu du cache-cache. C'est-à-dire, en fait, ils font pas de bruit et tout, en mode, on n'est pas là. Dès que t'approches, putain, ils te tirent dessus, ils te canardent, quoi. Comme une grosse merde, voilà. Messieurs Galad, un poste d'artillerie a été repéré au-dessus d'un tramway, à l'est de votre position. Oh, un canon portatif. Compris. Messieurs Galad, les rebelles avancent vers vous. Ils approchent. Bien. Sentinelle 3, ne le perdez surtout pas. Oui, madame. Bien. Oui.
Voilà. Tri. Salut mon pote là! Tu me passes devant comme ça sans gêne. Voilà. Aïe. Putain, essaie de rentrer. Allez, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Non! Non! Messire Galad, les rebelles passent en retraite. L'armée royale est en route et se chargera de contenir la menace ennemie. Je crois qu'elle était morte, quoi. C'était juste un petit scénario. Ce combat est le mien. C'est quoi ce truc? À tout le personnel, restez distant de la partie est du pont de Westminster. Les tirs nourris d'artillerie sont en cours. Pas des coups de dire groupés. Un peu froid. Pas des tirs groupés. On va attendre un petit peu. Où est cette femme indienne? Où est-elle? Où est-elle? Où ça? Parlez! Parlez! Whitechapel. Bordel. Oui, mais Sir Galahad, la migraine. Sir Galahad est près de l'extrémité est du pont. Restez dessus jusqu'à ce qu'on arrive sur sa position. Mais Sir Galahad est très énervé. Hey!
Patron, à boire! À boire, nom de Dieu! Absinthe! Je ne suis pas là pour le moment, merci de rappeler plus tard. Je me casse discrètement sans que personne ne me voie. Vous noyez vos chagrins ou votre ignorance, dites-moi. Tout faux. J'attendais que vous arriviez. Et ? J'ai besoin de réponses. Des réponses ? Vous avez tué mes hommes pour ça ? Vous semez la mort partout où vous passez. Et vous êtes la prochaine si vous ne me donnez pas ce que je veux. Veuillez m'excuser, mais votre offre ne me convainc aucunement. Je ne tolère pas les menaces. Vous ne m'êtes d'aucune utilité. Je vous en prie. Eh bien, que d'hostilité. Je crois que ceci ne vous ferait pas de mal. De mémoire. Mais comment... Commençons d'abord par établir une trêve. Capnatare Nechko. Baby. Si cela vous rassure, gardez votre arme pointée. Mais c'est moi que vous cherchez, pas elle. Il y a beaucoup à discuter. Allons dans un lieu plus privé. Vous voulez venger votre ami Mallory. Vous n'êtes pas digne de prononcer son nom. On l'a trahi. On vous a tous trahi. Trahi? Par qui? Ce que vous appelez maître. L'ordre des chevaliers n'a aucun maître. Pas même la reine. Votre empire n'est fait que de lèche-bottes se prosternant devant la vénérable United India Company. Faites attention, ma chère! Cette honorable compagnie répand le fléau même que vous avez juré de combattre si vaillamment. Les mensonges d'une fanatique! Vous vous trompez d'ennemis. Nous luttons contre le même mal. Pourquoi devrais-je croire la parole d'une rebelle? Et d'un assassin. Nous sommes assez semblables. Nous n'avons rien en commun. La mort de votre ami ne doit pas être vaine. Donnez-moi une raison de ne pas vous tuer. Il y a pire que la mort, chevalier. Bien pire. Et si c'est la mienne que vous cherchez dans cette quête, alors très bien. Ma mort n'est pas un vain sacrifice. Niez-vous avoir attenté à la vie de Lord Hastings? Il mérite de mourir, au même titre que chacun de ses complices. Et vous vous attendez à ce que nous vous laissions mener impunément votre campagne de terreur? Les apparences sont trompeuses.
La compagnie garde ses secrets, même aux yeux de l'ordre. Quel secret? Je n'ai pas de temps pour jouer! Je doute pouvoir vous convaincre par des mots, mais je peux montrer des preuves qui vaudront tous les arguments. Les réponses se trouvent sur les quais de la compagnie de Blackwall Yards. Nous devons nous hâter. J'espère que c'est vrai. Pour votre bien. Les tunnels souterrains mènent à Blackwall Yards. Préparez-vous à lutter contre les gardes de la United India. Sauf ordre contraire, aucun innocent ne sera touché. Aucun d'eux n'est innocent. Ça ne change rien. Si vous voulez que je vous suive, il faut respecter mes règles. Entendu. Vous retournez déjà votre veste? L'ordre ne peut pas être mêlé à cette histoire. Forcément, il y a un verre sur le comptoir, forcément, on court sur lui. Non, mais oh, franchement. Bon, bah, les gamers, je vais vous laisser là. Le prochain coup, on se retrouvera avec Lakshmin. En bref, voilà, la vienne. Eux n'ont pas été transformés. Ils ont disparu. Je laisse finir la conversation. Vous ne devriez pas parler d'eux. Ils sont bel et bien. Voilà. Donc nous, on se retrouve pour la suite de The Order très très bientôt. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Allez, à bientôt les gamers.